Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est actuellement à l'église de Saint-Adrien pour lancer le BIM, le Bureau Estrien de l'audiovisuel et du multimédia. Donc, je suis Catherine Legaré-Pelletier, directrice générale de l'organisme Plein Écran et j'anime exceptionnellement ce live aujourd'hui. Voilà, j'inviterai Pierre-Philippe Côté à venir me rejoindre sur la scène. Pierre-Philippe Côté, donc cofondateur et co-directeur créatif du projet Le BIM. Jour de lancement, comment tu te sens? Bien, je me sens très bien, en fait. C'est un jour de lancement. Ça fait déjà quelques années qu'on a débuté nos activités dans la grande région estrienne ainsi qu'internationalement. Mais aujourd'hui, c'est le lancement, en fait, du lieu physique, en fait, du hub créatif et puis du BIM dans l'ancienne église de Saint-Adrien. Alors oui, je me sens très bien. Puis, non seulement c'est le lancement du BIM, mais c'est ta fête aussi aujourd'hui. Donc, bonne fête, Pilou. Merci, merci beaucoup. Puis, apparemment, il y a comme une histoire mystique autour de la date, de cette fameuse date du 16-06. Oui, bien en fait, si on voulait aller du côté obscur de l'ésotérisme, on pourrait parler de numérologie ici. Donc, en effet, l'adresse civique de l'église de Saint-Adrien est le 1606 rue principale. Et je suis né le 16 du 6. Et là où ça devient un peu ésotérique, c'est que ma copine, Geneviève Boivin-Roussy, que tu connais bien, vient d'ouvrir une galerie d'art à Danville, la galerie G2BR. Et donc, Danville-Saint-Adrien, le rapport ici, c'est que lors de l'année de la construction, en 1912, il y avait une femme de Danville qui était mariée à un homme qui travaillait à la construction de l'église de Saint-Adrien. Et elle lui a écrit une lettre d'amour qui est datée du 16 juin 1912. Donc, l'amoureuse de Danville et l'ouvrier de Saint-Adrien qu'on a retrouvé dans la corniche, juste ici en haut, près du Sacré-Cœur. Oui, qui avait été caché dans la corniche. C'est romantique. Un certain 16 juin 1912. J'imagine qu'elle s'est rendue un peu plus succinctement, là, parce que c'était pas la messagerie instantanée en 1912. Hey, c'est vraiment cool, cette histoire-là. Un peu de romantisme pour commencer tout ça. Donc, juste avant de parler des fondations vraiment là, du projet, je vais te présenter en bonne et due forme avec une petite bio. Oh my God! Donc, Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, tu es auteur, compositeur, interprète avec une carrière musicale rayonnante autant sur scène qu'au cinéma et à la télévision en tant que compositeur de musique. Tu as grandi à Val-des-Sources, anciennement Asbestos, et tu es revenu t'installer à Saint-Adrien, notamment pour construire un studio d'enregistrement de musique. Oui. Pourquoi tu as choisi de revenir t'installer en Estrie? Ben écoute, long story short, là, je prendrai pas trop de votre temps cet après-midi. On l'a déjà entendu un petit peu cette histoire-là, mais la ville ne convenait plus à la vie que je voulais. Et puis, on a tout simplement décidé de déménager en campagne. Et puis, d'élire domicile à Saint-Adrien, en fait, le lieu de tous les possibles. Écoute, on n'a jamais regretté notre choix. On est tous les deux des acteurs du milieu culturel. Puis, dès notre arrivée, on a commencé à s'impliquer au niveau des loisirs et de la culture dans le beau village de Saint-Adrien, ce qui nous mène ici aujourd'hui avec des visions de culture pour développer nos régions puis développer notre territoire, là. Ouais. Puis, à la base, quand tu es venu t'installer à Saint-Adrien, peut-être que c'était pas le BIM tout de suite que tu avais en tête. Ça a été quoi l'élément déclencheur d'avoir envie de fonder ce bureau du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia? C'est arrivé, tout est arrivé ici par besoin, en fait. Donc, on est arrivé ici parce qu'on avait besoin de se retrouver en nature. Donc, ça, c'était la première chose. Puis, on avait besoin de construire des studios, on avait besoin d'attirer des amis artistes pour qu'ils viennent travailler dans nos studios. Et puis, le besoin pour le BIM, en fait, c'est venu d'un constat.
parce que, ben, comme tu le sais et puis comme vous le savez tous, je travaille en musique de film. Puis il y a plusieurs réalisateurs, producteurs qui me contactaient parce qu'ils cherchaient des lieux inusités pour tourner, que ce soit les mines à Val-des-Sources ou à Saint-Adrien ou la Norbestos à côté ou des décors en forêt. T'sais, il y a eu le tournage des Affamés aussi de Robin Aubert qui a été significatif dans l'élaboration en fait du BIM puis l'idéation du BIM. Et puis c'est venu, c'est ça, des amis réalisateurs, producteurs qui m'appelaient pour dire, écoute, le film sur lequel on travaille, dont tu fais la musique, on a besoin de tourner des scènes en région, nanana, est-ce qu'il y a un spot proche de chez vous? Donc, par besoin et par la force des choses, je suis devenu fixer, production unit manager. Comment on dit ça déjà, Val? Production unit manager, en français. Directeur de location, oui. Donc, et puis là, ben, de fil en aiguille, on avait de plus en plus de besoins. Et puis, il est arrivé un moment où on avait besoin de techniciens vraiment spécialisés. Personne n'était libre à Montréal et on a découvert que ce technicien-là vivait à Saint-Adrien. Donc, je me suis dit tout à coup, bien, c'est fou parce que la crème de la crème vit en région, travaille en ville, alors qu'ils devraient pouvoir exercer leur métier en région. Donc, c'est là qu'on s'est dit, peut-être un organisme qui pourrait changer les paradigmes. Et puis, l'avènement aussi de la mise en vente de l'église de Saint-Adrien qui avait besoin d'un projet pour la revitaliser. Donc, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups, on va faire un projet culturel qui va rallier les professionnels de l'Estrie. Et maintenant, on voit qu'il y a une demande un peu partout au Québec pour des projets dans le genre, là. Donc, on a réussi à sauver l'église de Saint-Adrien et en même temps créer un projet structurant puis mobilisant pour l'industrie culturelle en Estrie. Oui, puis toi, dans le fond, ben on sait que le Saint-Adrien, ben la région, en fait, une ancienne région minière, une région assez plutôt agricole. Ouais. Toi, tu arrives ici, puis tu proposes un nouveau modèle de développement de la région. Tu dis la culture, ça va être un levier de développement ici. Oui, très certainement. Puis on a été chanceux, en fait, dans cette mouvance-là, parce que on est arrivé à peu près au même moment où la Canadian John de Manville fermait ses portes. Donc, les derniers clients qui étaient la NASA, puis les bons de commande à l'étranger se sont dégarnis. Puis, il y a eu aussi, des coupures, des annonces d'octroi de prêt qui avaient plus lieu, tout ça. Donc, la MRC, les acteurs régionaux de développement économique se sont mobilisés pour dire on veut un fonds de diversification économique. Donc, la MRC des sources, ici, a été vraiment axée sur le développement de son économie par autre chose qu'une mono-industrialisation ou que les industries minières. Donc, on est arrivé dans cette mouvance-là. Et puis, on s'est inscrit dans ce mouvement-là. Puis, on a dit, bien, nous, on pense que la culture peut être un moteur de développement économique pour la région ici. Et puis, tu sais, il y avait des historiques aussi de culture, de vie communautaire, d'essayer de réimaginer le futur à Saint-Adrien, puis dans la MRC ici. Donc, ça a été vraiment bien reçu, puis ça nous a permis de nous installer ici. C'est ça, t'sais. Vous avez eu le support aussi. Ouais. Personne n'a fait « Ah, la culture, c'est quoi ça? » Tout le monde était prêt, était rendu là, dans le fond. Exactement, tu sais, ça fait des années qu'il y a des organismes, tu sais, qu'on pense à Culture Estrie, qu'on pense à Ravir, qu'on pense à des institutions comme l'Harmonie d'Asbestos, comme le camp musical d'Asbestos, de Val-des-Sources, qui était là depuis des années, puis qui faisait de la culture, puis qui faisait rayonner de la culture. Il y a eu des théâtres d'été dans le coin, il y a eu plusieurs choses. Puis là, je pense qu'on était rendu à un moment où on pouvait vraiment considérer l'établissement de compagnies ou d'organisations qui feraient de la culture en région, mais de calibre international, tu sais. Vraiment cool. Dans le fond, pour aller plus loin avec le BIM a deux volets importants dont on va parler aujourd'hui. Il y a le hub créatif, la partie hub créatif, et la partie bureau du cinéma et de la télévision. Avant d'entrer dans la portion hub et d'inviter Alexis à venir nous rejoindre, on va regarder un extrait d'un témoignage de quelqu'un qui travaille ici, qui s'appelle Suzy Hamel, qui est agente d'artiste, mais pas que, elle a été aussi baptisée, donc dans cette même église où elle tient maintenant son bureau. Donc, oui. Quentin, on voit l'extrait de Suzy.
je suis née ici. Et ben dans le fond, je baigne dans le spectacle, les arts vivants. Donc, je suis agente gérante d'artiste. Puis, je tourne pas mal autour du spectacle. J'ai différents artistes pour qui je fais la gérance. Il y a Abana Café, Alléluia Léonard, Catherine Major, David Goudreau. Il y a aussi de l'agence spéciale que j'appelle. Ça fait des années que je travaille avec Richard Desjardins. Donc, avec Richard, je fais un petit peu de tout, que ce soit production déléguée, je fais la direction de tournée avec lui. Donc, je l'accompagne vraiment étroitement à toutes les dates. Je suis toujours sur chaque spectacle. Claire Pelletier, qui a aussi Ilam, Marie-Hélène Thibert. Premier bureau officiel installé, là, je pense. C'est le fun. J'ai hâte d'avoir d'autres collègues autour des autres bureaux, là, que ce soit un petit peu plus animé, mais déjà, je me sens très, très bien. Je me sens vraiment à la maison. Normalement, on se voit dans des 5 à 7 ou dans des galas ou dans des trucs à Montréal. Puis là, on arrive face à face à Saint-Adrien où tu t'en attends pas. Puis c'est comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Bien, moi, j'habite ici, mon bureau est là. Ah, OK, bien, moi, je viens visiter. On a peut-être un projet qui s'en vient. Ou... Fait que, tu sais, le monde est petit. C'est comme tricoté serré. Donc, c'est comme le milieu culturel. Il y a souvent des gens que je retrouve ici, puis c'est super sympathique. Donc, tu sais, humainement parlant, je te dirais, c'est plus ça. C'est plus de faire ces rencontres-là. Puis j'espère aussi arriver à travailler avec le BIM, tu sais, qu'on développe des projets ensemble, qu'on mette de l'avant des productions de spectacles, des trucs comme ça, tu sais, d'arriver à explorer, en tout cas, exploiter un petit peu plus notre territoire là, au niveau culturel aussi. La semaine dernière, il y avait un spectacle de drag queen, puis spontanément, je me suis dit « Oh my God! » Tu sais, je veux dire, j'imaginais, tu sais, moi, j'ai été baptisée ici, tu passes à tous les mariages, les cérémonies, tout ça qui ont eu lieu, puis là, je me disais « Hey, le show de drag queen, là, je me disais, pas le petit Jésus, là, mais je veux dire, alentour, ça doit se dire « Oh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Tu sais, fait que je trouvais ça super drôle. C'est un beau clin d'œil. On commence avec des shows, puis c'est comme des drag queens qui débarquent à l'église de Saint-Adrien. Mais c'est pas l'église de Saint-Adrien, c'est le BIM. Donc, on est de retour en direct. On salue les 60 personnes qui nous regardent. Donc, n'oubliez pas de poser des questions. On est vraiment en direct pour vrai, fait que on va répondre à vos questions en live. On accueille maintenant Alexis Pinard. Je vais t'inviter à venir nous rejoindre sur le stage. Co-directeur créatif. Salut. Salut, ça va bien? Ça va, merci. Alexis Pinard, tu es co-directeur créatif du BIM. Juste pour faire un petit peu la bio, chez Cossette, tu travailles sur le rayonnement de plusieurs marques avec une emphase sur la conception, le storytelling et les stratégies de commercialisation. Et tu es aussi président cofondateur de la Classique des Appalaches, un parcours compétitif de cyclotourisme événementiel. J'ai envie de te poser un peu la même question que Pilou au départ. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'installer ici dans la région puis à travailler sur le développement de ce grand projet fou du BIM? Ben, c'est en fait un concours de circonstances, je pense, qui a mené à ce qu'on arrive à Saint-Adrien. Un peu comme tout le monde, COVID arrive, puis on cherche l'espace, puis on réalise... L'été passé, en étant au chalet familial au Saguenay, une autre région où j'ai un port d'attache, que la vie hors de la ville, c'est quand même assez cool. Et on se met à réfléchir avec ma copine sur où est-ce qu'on pourrait aboutir. Moi, j'ai grandi à Victoriaville, donc une trentaine de minutes de Saint-Adrien. Et puis, on a visité une maison septembre passé, visité aussi le village. Et on est tombé sur cet énergumène à chapeau et lunettes qui est en train de faire brûler son macaroni lors d'une journée porte ouverte à l'église. Et on a donc discuté, puis on se connaissait un peu par personne interposée, mais flabbergasté en bon québécois par le projet, par les projets qui se passent à Saint-Adrien. Mm. Rencontrer d'autres individus aussi au Saint-Vrac, l'épicerie zéro déchet, l'autre côté de la rue. Puis ça a été un coup de cœur pour la région, pour l'endroit, puis un coup de cœur aussi pour l'espace que ça nous donne, tu sais, un endroit comme Saint-Adrien, un territoire comme celui de la MRC des Sources, mais
spécifiquement dans ce qui nous concerne, un espace comme celui du BIM qui est magnifique, puis qui est même incroyable quand on voit le avant et après. Là, c'est une transformation vraiment phénoménale. T'sais. Effectivement, l'opportunité de transformer une église, ça n'arrive pas tous les jours. Explique-moi un peu plus en détail, c'est quoi la portion hub créatif du BIM? Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, le hub créatif? Bien, l'objectif premier du hub créatif, c'est de réunir des membres, donc sur une base de membership, pour structurer l'offre qui est en termes de talent, d'expertise sur le territoire ici, puis lui donner cette structure qui va nous permettre, un, de se rassembler, deux, de travailler ensemble, puis trois, de développer des compétences, des projets, des idées dans ce qui se fait. T'sais, le BIM, on y voit comme deux définitions. D'abord, il y a le BIM, là, en anglais, une poutre, là, quelque chose de structurant sur lequel on peut bâtir, on peut construire. T'sais. Puis il y a cette volonté-là, donc, de servir à catalyser les forces vives qui sont ici, les forces fraîches aussi qui débarquent, et en même temps canaliser les énergies vers tu sais, des projets communs qui fitent avec ce qu'on a comme valeur, ce qu'on a comme vision pour la ruralité qu'on appelle radieuse. Puis le deuxième élément du BIM, c'est un faisceau lumineux, c'est ce qui nous fait tu sais, rayonner, c'est ce qui nous rend visibles aussi, puis ce qui nous donne envie de briller, parce que tu sais, une des choses qu'on s'est rendu compte ici, que ce soit des résidents de longue date ou des nouveaux arrivants, il y a du monde vraiment brillant ici à Saint-Adrien, dans la région aussi, puis c'est hyper stimulant puis enrichissant de voir non seulement qu'il y a des fits au niveau professionnel, mais qu'au niveau personnel aussi, il y a des affinités qui font que c'est un milieu de vie qui est hyper stimulant puis enrichissant. Là, tu sais. C'est vrai, c'est important ça. On le sait, ben en tout cas, un des grands enjeux dans les régions, c'est d'attirer de nouveaux et de nouvelles travailleurs, travailleuses, des entrepreneurs pour faire venir des familles, pour continuer à faire vivre les services dans les villages, les écoles, tout ça. Donc, on a déjà parlé de ce que la culture ici pouvait faire, puis en quoi le hub créatif, ça propose des solutions à ces enjeux-là de revitaliser un peu la région, puis d'amener du nouveau monde. Tu sais, il y a, je pense, un amalgame de talents, d'expertise, puis d'expériences qui s'entrecroisent ici. Tu sais, c'est un peu une terre de rencontre, la MRC des Sources, Saint-Adrien aussi. Puis, tu sais, d'un point de vue géographique, tu sais, on est en Estrie, mais on n'est pas loin de la MRC d'Arthabasca, on n'est pas loin de la Beauce non plus. Tu dis souvent des gens qui débarquent de LA, tu sais, normalement, ils sont habitués de débarquer à l'Axe puis de faire 2 heures d'auto pour se rendre où est-ce qu'ils doivent aller à Los Angeles, alors qu'ils débarquent à Montréal, fassent 2 heures d'auto, bonnet blanc, comme on dit. Fait que, par rapport à ta question, tu sais, je pense que c'est cet amalgame-là, d'une part, qui fait qu'il y a vraiment des complémentarités qui vont partir d'éléments beaucoup plus stratégiques, créatifs, jusqu'à des capacités de production avec des artisans qui ont, en termes de talent, là, autant devant que derrière la caméra, mettons, tout ce qui fait une bonne intégration du concept à l'exécution. Fait que ça, c'est hyper intéressant, avec une proximité qui permettent de comprendre toutes les nuances au niveau du territoire, au niveau du terroir, puis au niveau de ce qui se passe, puis de ce qu'on peut mettre de l'avant, tu sais, parce que c'est aussi une des facettes qui est hyper intéressante, cet ancrage-là dans la réalité régionale, puis dans la ruralité qui, de plus en plus, gagne en popularité, puis devient un mode de vie. Tu sais, tu faisais de la numérologie tantôt. Mm-hmm. Pour faire un peu de philosophie, tu sais, je parlais d'espace, tu sais, puis cette recherche-là qu'on a d'espace, tu sais. On est beaucoup à se questionner sur nos vies actuellement puis le feeling qu'on a à manquer de temps. T'sais. Mais en réalité, notre problème, il n'est pas avec le temps, il est avec l'espace. T'sais. C'est une corrélation, l'espace puis le temps. Le temps, c'est une constante. T'sais. Alors que l'espace, on est tellement garoché aujourd'hui dans un paquet d'espace parce qu'on est sur des appareils connectés, on est sur un paquet de plateformes, on est entre le laptop, bref, tous ces espaces-là qui fractionnent notre attention, qui fractionnent notre vie. Puis en venant à Saint-Adrien, en découvrant l'espace de vie que c'est, tu sais, puis ce que ça libère comme possibilité, je pense qu'il y a aussi un élément là-dedans de catalyseur, de créativité. Puis on le voit avec les gens qui viennent ici, avec les artistes qui gravitent autour du BIM, puis qui choisissent de venir ici. L'espace ajoute à cette perspective-là, puis même à cette prospective. Mm-hmm.
qu'on a à travers les réflexions puis ce qu'on cherche à amener dans la création puis dans le maillage entre la culture, entre la créativité, entre ce qui se passe aussi en termes de territoire puis d'attractivité du territoire aussi. Puis c'est ce qui les rend vraiment, vraiment intéressants, t'sais. Puis, mettons, ce serait quoi votre... c'est un peu une question pour les deux, là, mais ce serait quoi votre pitch de vente ou votre pick-up line pour amener des nouvelles personnes à venir travailler ou à s'installer ici? Comme, à part notre... Mettons, moi, là, vous êtes comme... essayez de me convaincre de venir, ce serait quoi votre... Bien, on t'a déjà convaincu, là. Ouais. Je sais pas si tu le sais, mais t'habites maintenant. J'imagine que c'est à part de nos qualités physiques évidentes. Ouais, oui, c'est ça. Ben là, c'est ça. Écoute, le pitch de vente, là, le plus simple, là, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous voulez faire, puis comme venez ici le découvrir, tu sais, le monde de tous les possibles, tu sais, puis bon, on n'a pas encore le volume de George Lucas, mais un jour, peut-être, qui sait, tu sais, c'est ça, c'est vraiment un endroit qu'on a créé pour les créateurs, tu sais, au service de la création. Puis je suis très heureux, en fait, de constater en ce moment que dans le grand studio, juste derrière nous, il y a une résidence de création avec Blaise Bourboin-Léonard puis Michael Bielinski qui sont là. Et puis je peux vous jurer que quand on rentre dans cette pièce-là, la musique est très forte. Puis vrai, en ce moment, on l'entend là. à peine, comme un filet. Fait que ça peut... Il y a des espaces, justement, comme Alexis le disait, qui sont là. Puis il y a aussi cette rencontre qu'on veut créer ici, qui est la co-création. Et puis, tu sais, en parlant du hub créatif, oui, il y a le côté artistique, culturel, tout ça, mais on a dans nos bureaux ici, dans les espaces de coworking, des ingénieurs qui travaillent sur plusieurs projets, puis qui, comme nous, se questionnent par rapport à l'avenir, puis par rapport à des solutions qu'on peut amener dans l'avenir. Puis le hub créatif ouvre ces portes-là aussi. On ne dit pas qu'on va répondre à toutes les questions, mais on dit qu'on va ensemble co-créer pour essayer de répondre à ces questions-là collectivement, en multipliant nos talents, en faisant que la somme des parties soit plus grande que toutes les parties séparées. T'sais. Puis, tu sais, j'ajouterais qu'il y a peut-être deux composantes aussi qui, à mon sens, sont hyper intéressantes. C'est la première et la deuxième. Tu sais, d'un point de vue de découverte, tu sais, je pense que, puis là, il ne faut pas le dire trop fort, mais tu sais, la région Saint-Adrien est probablement l'un des secrets les mieux gardés au Québec. T'sais. Les gens connaissent les régions éloignées, t'sais. Ont visité la Gaspésie, la Côte-Nord, l'Abitibi, connaissent beaucoup l'Estrie pour ce qui est de l'autre côté de la 10, là. Le centre du Québec. Mais t'sais, ici, c'est vraiment en termes de possibilités phénoménales ce qui est à faire. Oui, ouais. Puis tu sais, dans la mesure où tout est à échelle humaine aussi. T'sais. Saint-Adrien, c'est un village de 550 habitants. T'sais. Qui est si serré, puis tu parlais d'Alcoop tantôt, c'est des découvertes que tu fais de « Oh shit, il y a une coop d'ingénieurs en bâtiment qui se spécialise dans les écomatériaux. » Tu fais comme « OK. » Puis après ça, « Ah, oh, j'ai le Mont-Ham à côté où je peux aller trekker quand je veux. Ah, oh, j'ai une épicerie zéro déchet qui est 24 qui est heures. 24 heures sur une base de membership. Ah, oh, tu sais, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ben, d'ailleurs... L'auberge de Saint-Adrien s'appelle l'auberge incroyable. Parce que il y a ça, puis c'est une espèce de surprise constante et en continu. Puis le deuxième élément, tu le mentionnais un peu, c'est que en fait Val dans des recherches est tombé sur le fait que Saint-Adrien est le patron des messagers, okay, au sens de la religion chrétienne. Fait qu'on se dit il y a un message à passer avec ce qui se passe à Saint-Adrien. Comme quoi la ruralité radieuse, où est-ce qu'on est fier de briller par nos valeurs, par nos choix qu'on fait, par ce qu'on va choisir de développer, d'appuyer, puis ce qu'on va créer comme milieu de vie, puis ce qu'on va amplifier comme talent puis créativité à travers des projets structurants comme ceux du BIM, c'est exceptionnel, tu sais. Puis les gens qui viennent ici choisissent aussi de passer ce message-là, parce que, un, ça résonne avec eux,
Puis deux, ils se voient aussi comme étant capables de relayer puis de contribuer à raconter cette histoire-là, qui en est une qui va transformer le visage de ce que c'est vivre en région, avec toute la pugnacité, comme dirait un cinéaste québécois bien connu, qui nous caractérise. Ben, c'est un secret bien gardé qu'on est en train de dévoiler au monde entier via ce live Facebook aujourd'hui. Mais comme vous l'avez dit, on aurait tendance à penser que parce que le BIM attire beaucoup de musiciens, cinéastes et tout ça, et musiciennes, que c'est plus pour les créateurs, les créatrices. Mais finalement, comme vous l'avez dit, il y a deux jeunes ingénieurs qui ont choisi le BIM pour venir s'installer. Ouais. Et on va aller regarder un extrait d'un portrait peut-être, de ces deux Catherine, personnes-là. Catherine, juste avant, parce que tu parlais de numérologie tantôt et parce que c'est ton anniversaire, je t'ai amené un petit cadeau, en fait. Je t'ai amené 36-7 chanceux. Pour ton 36e anniversaire. Oh my God! Avec des flamants roses, parce que ça pourrait faire changement de faire l'argent avec des flamants roses pour une fois. Wow! Donc, profites-en bien. Bon anniversaire encore une fois, Pilou. Désolé la petite interruption, mais plus, ça me prenait une petite fenêtre d'opportunité. Tu t'es comme déplacé loin pour aller chercher. J'ai fait 8 dépanneurs pour amasser les 36 gratuits. Wow! Pèlerinage, chemin de croix, choisissez votre terme, mais le résultat, c'est ce qui compte. Donc, voilà. Wow, ben merci! Ben, comme ça, on va aller voir nos deux ingénieurs. Qui vont nous raconter pourquoi ils sont ici. Bonjour, je me nomme Marc-Antoine Meilleur. Je suis membre fondateur de la coopérative ALT, expert en efficacité énergétique, bilan carbone et système mécanique. Moi, je me nomme Pierre-Luc Harvey. Je suis également membre fondateur de ALT Coop. Je suis ingénieur en bâtiment, puis j'ai un background en technologue en architecture. ALCOOP, c'est la première coopérative d'ingénierie au Québec. On regroupe toutes les disciplines de l'ingénierie, puis on a une spécialité ou une vision de développement durable. C'est vraiment l'ajout qu'on rajoute au projet. C'est tout le temps une vision un peu plus verte. On ne voyait pas nécessairement de gens qui faisaient déjà ce qu'on faisait dans le coin ici. Là. Fait que ça avait comme du sens. On venait combler, je pense, un vide là, dans le secteur ici. Je pense qu'il y a tout le temps des besoins genre sporadique comme ça. Faut monter une structure, on aurait besoin de faire valider telle affaire, on a besoin des plans pour un kiosque, un bâtiment temporaire. Tu sais, je pense qu'il y a un événement carboneutre, fait ouais, quantification carbone. Puis tu sais, c'est vice-versa. Nous, on a des besoins, on veut vraiment lancer le volet plus formation puis partage de connaissances. Fait que tout le côté multimédia, il va venir en branle, puis ça, on va jamais hésiter, là. Ça va faire partie du BIM, les contrats. Fait. On est des gars de projet, on est une entreprise de projet, puis le multimédia, c'est juste des projets, finalement. Fait que c'est, je pense que le match est quand même très cool. Le BIM, ça va avoir été ce qui a amené tellement de gens à Saint-Adrien, mais après ça, un village, c'est complet, une communauté, c'est complet quand il y a une certaine diversité, puis je pense que ça va venir dans les prochaines années. Là. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont graviter autour de la communauté ici, puis ce ne sera pas nécessairement juste du monde purement en multimédia, mais dans plein de sphères connexes, puis ça va s'entremêler, puis ça va devenir super riche là, comme milieu. Là. Alors, on est de retour en direct. On salue les 62 personnes et quelques qui nous regardent en ce moment. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime, un petit cœur j'adore. Donc, je suis de retour avec Pierre-Philippe Côté, ici à l'église de Saint-Adrien pour le lancement du BIM. Et je vais demander à Valérie Rousseau de venir nous rejoindre sur le stage. Ouais, Valérie! Alors, Valérie Rousseau, pour nous parler du volet cinéma et télévision du BIM. Donc, tu es cofondatrice du projet et directrice des opérations. Mais avant de parler plus en détail de toi et du bureau du cinéma et de la télévision, on va vous montrer au public ce que vous êtes capable de faire ici en Estrie. Voilà, avec le BIM. Thank you.
suppose we was to raise the bar. Take the parts and make them raw. Take the parts and make them whole. Slip the motherfucker back to burning soul. You see, making love on the telephone with the whole game watching, turn around. Say, what these crazy fools do when I turn my last back? They was looking over, but this crew's still down. See, I was thinking we could work it out. We can bump this shit all over town. We gon' rock that hit, girl. Flip that script, girl. Get that paper, people bound. You know, we the ones that keep on reaching. Triple checking, downtown beacons up. Hold it now, that no school jeans in. We put the love in fantasy. When the beat drops and my beats lock, that's when we go. When the beat drops. Donc, on est de retour. Valérie, je vais faire une petite bio de ton parcours. Tu as derrière toi une carrière importante en cinéma et également en gestion de projets au Cirque du Soleil. Tu as voyagé partout dans le monde dans le cadre de tes différents projets. Puis là, en toutes les destinations du monde entier, tu as choisi de venir t'installer ici à Saint-Adrien. Puis tu rencontres Pilou qui te parle d'acheter une église. Puis là, toi, t'es comme, quelle bonne idée, j'embarque dans ce projet fou. J'étais naïve. C'est ça ben, qui s'est passé, mettons. Oui, à peu près. Dans le fond, on est arrivé à peu près à la même époque. Ça fait 10 ans. J'étais vraiment venue ici pour avoir la paix. Après un certain temps d'avoir la paix, j'ai trouvé que je manquais de défis. Puis c'est à peu près à ce moment-là que Pierre-Philippe m'a dit « j'ai acheté l'église, puis il faudrait peut-être qu'on trouve quelque chose à faire dans cet énorme bâtiment-là. Va-t'en pas à Montréal, ça tente d'embarquer dans cette espèce de géant projet qui a pris beaucoup de forme, mais qui finalement a comme abouti à être le BIM. » Est encore en éternelle transformation, mutation, évolution. Oui, c'est ça. C'est toujours un défi all day, every day, dans le fond. Ouais. Selon toi, Valérie, quelles sont les opportunités pour les gens en cinéma, en télévision, en musique, de venir tourner ici dans la région? Bien, je pense que ça part des paysages. C'est sûr que quand... En fait, c'est venu du fait qu'on avait beaucoup de demandes, comme il racontait tout à l'heure, puis on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait tellement de potentiel, mais pas juste des beaux paysages, il y avait aussi des endroits tellement insolites, comme la mine, justement, qui est une des grandes forces. On a passé un été à tourner dans cette mine-là juste parce que les gens recherchaient ce genre de paysage-là. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui faisait la promotion de toute cette... Il y avait Sherbrooke qui était bien desservi, mais au niveau de tout ce qui était le reste de l'Estrie, il n'y avait pas de promotion, il n'y avait pas de travail qui était fait au niveau des locations. Donc, on s'est dit, bien, il faudrait absolument que ça soit connu. Quand les gens viennent ici, je pense qu'ils viennent pour les locations, parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire à ce niveau-là, mais aussi pour l'accueil. Les gens sont super chaleureux, sont super contents d'accueillir des tournages. Puis pour les professionnels, c'est ça qu'on a démontré aussi, on a plein de main-d'œuvre en Estrie qui sont super professionnels et qui attendent de faire des projets comme ça. Bien, justement, on a un témoignage de quelqu'un qui est venu travailler avec vous, tourner ici. C'est un témoignage d'un producteur, Samuel Caron, de Télescope Film, qui a l'air très satisfait dans son témoignage des services qu'il a reçus ici. Donc, Quentin, on lance la vidéo. Ah, le BIM. Par où commencer? En fait, je me souviendrai toujours, je pense, du jour où j'ai rencontré Pilou, en fait. Puis il me parlait des premières idées, en fait, de la naissance là, du BIM à ce moment-là. Puis ça m'a frappé depuis le début, en fait, la beauté, en fait, des idées qui étaient derrière ce projet-là, de vie en région, de culture en région, de l'art en région en général. Puis ça a fait qu'on a gardé un super beau contact, puis que nous, en fait, on est revenu très souvent avec nos productions, avec Télescope, pour travailler avec l'équipe du BIM. Ça a toujours été des expériences super, super enrichissantes. Puis, en fait, ce qui est le plus frappant, je crois, le plus impressionnant, en fait, de tout ce projet-là, c'est pas juste la beauté des idées du BIM, c'est aussi la capacité, en fait, de cette équipe-là, puis, en fait, à mener à terme ces idées-là, puis à vivre jusqu'au bout de ces idées-là, puis c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, puis c'est tellement beau de voir que cette équipe-là réussit à le faire, c'est super encourageant. Puis, en fait, donc moi, j'ai jamais vraiment de problème à référer qui que ce soit qui cherche à faire des productions en région, à travailler avec l'équipe du BIM. Ce que je dis par contre, toujours comme avertissement, c'est de faire attention parce que une fois qu'on s'aventure au BIM, il y a toujours un risque d'y rester.
On a peut-être des membres qui sont avec nous, qui nous écoutent pendant le live. Si vous êtes là, membre du BIM, on vous salue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à poser des questions. Justement, par rapport aux membres, c'est quoi les services qui sont offerts par le BIM? Bien, quand on devient membre, déjà, on est en réseau avec toute une diaspora de gens qui travaillent dans le domaine audiovisuel. Ce qu'on voyait, c'est que les gens travaillaient beaucoup en soit en micro-réseau entre eux dans le coin de Sherbrooke, ou sinon, il y avait des contrats encore avec Montréal. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment juste exploser ces petites bulles-là puis dire qu'il y a vraiment une industrie en Estrie qui est dynamique et qui est en train de vraiment émerger. Et puis, c'est ça. Puis sinon, bien, on a de l'équipement, on a des lieux, on a du référencement, on est là pour répondre à vos questions. Mais je pense que surtout, c'est vraiment ça qui est important, c'est l'histoire du réseau. Oui, le réseau, les formations, les masterclass. Plein de belles choses. Fait qu'on est bien servi ici quand on commence à travailler avec vous, on n'a pas envie de repartir, comme avait l'air de dire Samuel. Donc, le BIM, justement, un bottin de membres travailleurs et travailleuses de l'industrie du cinéma. Puis, selon vous, c'est quoi l'avantage pour un ou une preneur de son ou un ou une monteuse de choisir le BIM pour travailler? Ben c'est pas tant de choisir le BIM, mais je pense que c'est de choisir l'Estrie ou de choisir un autre cadre de vie que la ville. Moi, personnellement, quand j'étais à Montréal, j'étais convaincue qu'il n'y avait pas d'autre façon d'exercer mon métier que de le faire dans une grande métropole. Je m'étais trompée. Je pense que j'ai beaucoup plus de défis. J'ai des défis qui sont plus en lien avec des valeurs qui me tiennent profondément à cœur en campagne que j'en aurais eu en ville. Je pense que tu as plus à faire à ce moment-là. Fait que c'est plus un choix de vie que d'autres choses. Puis il y en a du travail, en fait. On en cherche en ce moment de la main-d'œuvre. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail en région, c'est pas vrai. C'est ça. Fait que c'est une condition de vie aussi. Puis qu'est-ce que vous diriez, mettons, à quelqu'un qui serait craintif, qui est comme, je peux pas faire ce move-là, je vais me retrouver sans job dans... Ben, je pense qu'il faut faire le saut. Mm-hmm. Il faut faire le move, faut essayer, faut y aller. Il y a des besoins dans plein de milieux. Tu sais, il y a eu l'exode des cerveaux. Tu sais, il y a plusieurs années où l'exode des jeunes, des régions qui sont partis. Mm. Puis là, c'est le temps de revenir, d'occuper notre territoire, que ce soit en Estrie ou au Lac-Saint-Jean ou en Gaspésie. Tu sais, il faut retourner. Puis pas avoir peur. La technologie est là, les barrières sont beaucoup moins importantes qu'elles l'étaient avant. On vient de le voir là, avec l'année et demie qu'on a passé à se parler sur Zoom. On est capable de faire des grandes choses sans être physiquement dans la même pièce. Donc, je pense que ça ouvre le domaine des possibles pour les régions puis que c'est juste un début. Super. C'est comme un leap of faith, dans le fond. Il faut plonger. Oui. Il faut se mouiller. Dans la vie, t'as rien si t'essaies pas. Parole de Valérie Rousseau. Bien, là-dessus, on va se laisser avec un extrait de Daniel Toussaint. Merci, Valérie. Daniel, qui fait de la conception de musique, mixeur, tout ça, qui a plusieurs chapeaux. Puis, lui, nous raconte dans son extrait pourquoi, pour lui, c'est tout à fait naturel de venir travailler ici. Je tiens à dire que Daniel Toussaint est une légende vivante et que c'est un grand modèle d'inspiration pour nous tous, jeunes créateurs sonores, monteurs sonores ou compositeurs. Fait qu'il a tourné un extrait juste là. Ben oui, il est venu nous voir dans le studio. Oh là là. Alors Quentin, on lance l'extrait. Je suis un petit peu un précurseur, ça fait, je pense, 30 ans que je suis en région. Mais ici à Saint-Adrien, ça fait déjà 20 ans que j'ai mon studio ici. C'est plus un studio qu'on appelle en proximité, dans notre langage, on appelle ça Nearfield. Donc j'ai des haut-parleurs tout près de moi. C'est un petit peu comme si j'étais dans ma capsule spatiale. Donc c'est difficile de recevoir des gens, puis tu sais, je peux avoir une ou deux personnes. Tandis qu'ici, on peut vraiment faire un mix en travail d'équipe, avoir le réalisateur, le producteur, le monteur sonore ou les musiciens. Puis on a de la place à circuler et puis on entend vraiment notre mix dans un environnement où on peut partager ensemble. C'est fait dans les règles de l'art. T'sais. C'est vraiment, là, on peut se fier ici, là, faire un mixage et puis ça donne l'heure juste. L'acoustique est parfaite.
un acousticien qui a créé cet environnement. On voit les panneaux acoustiques, les diffuseurs, tout est parfait. Et puis, un environnement d'autant plus agréable. Il y a de la hauteur, il y a de l'air, ça respire, il y a de la lumière. Mais le fait de venir ici, puis de sentir, il y a un fourmillement, tout ça, c'est sûr, on peut fermer la porte, on a besoin de s'isoler en silence, mais c'est bon de savoir que tous ces gens-là qui s'activent autour, ça donne une énergie, tu sais, que j'ai pas si je suis chez moi toute seule. J'aime le fait que ça soit une place multidisciplinaire, tu sais, il y a autant des concerts que des enregistrements, on peut enregistrer un orchestre symphonique ou un band de rock et tout ça. Donc, puis là, le fait de savoir qu'il se fait autant de musique que de tournage de films, que de post-production, c'est sûr qu'il y a du métissage qui va se faire là-dedans. Puis on va peut-être créer de nouvelles entités, je suis sûr. Alors, on est de retour en live avec Pierre-Philippe Côté. C'est bientôt la fin du live, mais c'est le début d'une grande aventure pour vous et pour le BIM. Puis avant de se laisser, j'aimerais ça qu'on se projette un peu dans le futur. Justement. C'est le futur qui nous appelle. Oui. Hey, c'est Pilou du futur qui nous appelle. Oui. OK, parfait. Il fait dire que ça va bien aller. Oh, non, c'est pas vrai. La dernière fois qu'on nous a dit ça. C'est la dernière fois qu'on nous a dit ça, ça a chié un petit peu, mais... Non, mais écoute, mais ça va très bien, tu sais. Là, on est dans le présent. Fait que, tu sais, le présent, c'est maintenant. Le futur, c'est un peu right now. Parce que le futur dépend des actions qu'on va poser dans le présent. Puis, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici sur une science qui est somme toute pas exacte, mais qui est quantifiable, qui est la prospective. La prospective, ça, la prospective, là, c'est l'art d'être capable de se projeter dans 10, 15, 20, 30, 40 ans comme société, comme groupe d'individus, comme personne, puis de dire où est-ce qu'on veut être dans 20, 30, 40 ans. Quel est le futur souhaitable? Et de la prospective action et la créativité au service de la prospective action, c'est de dire quels sont les gestes qu'on doit poser maintenant pour faire advenir ces futurs souhaitables. Donc, le futur, dans le fond, on ne sait pas de quoi il est fait, Catherine. On ne le sait pas. Personne ne peut le savoir. Mais mettons, on ne sait pas. Mais mettons, qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit dans 5 ans, mettons, le BIM? OK. Bien, le BIM, dans 5 ans, va avoir structuré toute une région, en fait, puis va avoir fédéré des acteurs à travers le Hub créatif, à travers le BCTE. Moi, je me plais à rêver très grand, parce que je pense que si on rêve pas grand, il n'y a rien qui va se passer. Donc... je verrais des grands studios dans la région estrienne, possiblement dans la grande région métropolitaine de Sherbrooke, ou encore ouvrir des bureaux à l'autre bout de l'Estrie, dans le bout de Frelichburg, possiblement polliniser le reste du Québec avec d'autres projets, avec d'autres initiatives régionales comme ça. J'aimerais qu'on puisse appliquer ces modèles-là à d'autres, puis partager cette vision-là pour le Québec du futur. Faire d'autres choses avec nos églises dans plein d'autres régions, peut-être. C'est certain que si on pouvait s'activer pour sauver les 1500 églises qui vont être vendues ou abandonnées dans les 5 prochaines années, selon le patrimoine religieux, je pense que ça serait intéressant. Ça pourrait être même un vecteur de développement régional, développement de nos villages, parce que chaque village a un immense bâtiment qui était jadis l'église ou qui est encore une église qui sera désacralisée ou abandonnée. Tu sais, ce qu'on souhaite ici, là, c'est de la création, de la co-création. C'est créer un futur possible souhaitable pour nos enfants à travers l'art, à travers la culture, le partage, aller à la rencontre de l'autre pour abolir la peur, tu sais, qui est souvent le moteur de beaucoup d'actions regrettables. C'est ce que je nous souhaite pour le futur, en fait, pour Saint-Adrien, pour l'Estrie, pour le Québec, pour le monde, tu sais. Mais voilà, on se permet de rêver aujourd'hui, puis on vous invite aussi
à rêver avec nous à ces futurs possibles-là, puis à mettre la main à la pâte pour qu'on puisse les faire advenir. Oui, parce que là, c'est le jour 1 du lancement... du lieu physique, ici. Du BIM, du lieu physique. Mais ça fait quand même des années que vous travaillez sur le projet. Oui. T'es-tu déjà fière ou y a-tu des choses particulièrement dont t'es fière ou tu sens que t'as atteint certains objectifs déjà que t'as rêvé? Bien, déjà, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais d'avoir ramené les planchers en chevron d'origine... Ça, c'est une grande fierté pour Valérie et moi. Oui, merci. Sablage à l'excellence. et, ben tu sais, il y a ce grand studio-là derrière nous qui est un peu un symbole de du côté comme sacré puis spirituel de faire de la musique, puis d'être un créateur, puis de pouvoir partager son art avec le monde. Il est exactement l'endroit où étaient officiés les mariages, les baptêmes, les funérailles. C'est un lieu qui est empreint de beaucoup d'énergie et d'émotion. Ouais. Lou, ouais. Il est 16h06. Il est 16h06. Le fameux chiffre. Le fameux 16h06 du 16 juin. Oh my God! Hey, j'aimerais remercier la gang de Ose Entreprendre. On était finaliste national pour le choix du public, puis régional aussi, dans la catégorie économie sociale. Puis ils nous ont remis une belle boîte avec du domaine Bergeville, Le Blanc, à Sherbrooke, vin mousseux Brit, méthode traditionnelle. Yes, fait qu'on officialise, OK, là, ça va faire pop. Là, regardez bien ça. Regardez bien plancher. Regardez bien plancher. Alex, je m'excuse, on va peut-être falloir ressembler la semaine prochaine. Oh! Wouhou! Bon balai. Bon, ben pendant le concert, ce bon mousseux-là, bonne fête, Pilou. Bonne fête au projet. Je vous souhaite, toi, Pilou, puis au projet, beaucoup de succès pour la suite. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, public, d'avoir été avec nous. Vous pouvez rejoindre l'infolettre du BIM ou encore devenir membre. Toutes les informations sont sur le site beam.ca. On vous invite également à aller liker la page Facebook ainsi que le compte Instagram du BIM à beam.estrie. Et enfin, pour toute question ou si vous pensez que le BIM peut vous aider dans vos projets, écrivez. Ah. Hey, t'as pogné l'accent de Sainte-Anne! C'est l'accent de la Gaspésie, ça, que je cache. C'est l'accent de la Gaspésie qui ressort. Dans vos projets, écrivez à info@lebeam.ca. Donc, on tient également à remercier tous les partenaires qui nous ont aidés. Alors, on voit la slide des partenaires en ce moment. Et la SADC des sources qui a permis de rendre ce lancement live possible. Donc, c'était Catherine Legaré-Pelletier. Je suis la directrice générale de l'organisme de diffusion de courts-métrages Plein Écran qui a propulsé ce live grâce à son équipe de Feu de Dieu. Donc, on salue Quentin Castellano, notre directeur de production à la régie technique. On remercie également Myriam Rioux-Denis aux communications du BIM, qui est actuellement derrière son ordinateur. Luca Boutin aux images, ici avec nous, derrière la caméra. Aux images aussi des extraits, de tous les extraits que vous avez vus, et ainsi que Quentin pour la réalisation et le montage. Donc, merci infiniment, Pierre-Philippe Côté, d'avoir été avec nous, Alexis Pinard, Valérie Rousseau pour ce lancement. On termine avec une performance musicale de l'artiste Georgette, une artiste qu'on aime beaucoup, et une performance qui a été tournée ici même au cœur de l'église où on se trouve, avec Pierre-Philippe Côté. Oui. Voilà. Donc, merci tout le monde! Merci! Bonne fin de journée! Bonne fête! Plus j'en demande, plus les gens me parlent.
Plus les gens me parlent, plus j'en apprends sur le mal. Pourquoi personne ne m'a averti? Méchante leçon poche, mais au moins c'est appris. Moi, je fais quoi? Je te pardonne, peut-être, peut-être pas. I won't fix it, I can't fix you. I won't fix it, I can't fix you. I won't fix it, I can't fix you. Plus j'en demande, plus les gens me parlent. Plus les gens me parlent, plus j'en apprends sur le mal. Pourquoi personne ne m'a averti? Méchante les empêche, mais au moins c'est appris. Moi, je fais quoi? Je te pardonne, peut-être, peut-être pas. I won't fix it, I can't fix you. Oh, moi, je fais quoi? Je te pardonne, peut-être, peut-être pas. Fix it, I can't fix you. I won't fix it, I can't fix you. I can't fix you. You tell me you're good, boy, you're good. Dope.